Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous. Ce dimanche, il fait beau. Je vais sortir me balader. Je vais faire ce petit direct pour répondre à la reine Mère Bio. Nathalie Babal, tu es convoquée ici. J'ai pris mon temps. J'ai suivi ta vidéo, mais bon, j'ai suivi ta vidéo. Il y a, bon, je peux dire que c'est courageux de ta part. Oui, c'est courageux de ta part. Je ne vais pas être long. Bipez-moi, Reine Mère Bio. Je viens de finir de suivre, je l'ai même suivi depuis. Quand je cuisinais, j'étais en train de te suivre. Tu t'indignes. Tu t'indignes. En fait, c'est ce côté indignation sélective qui me dérange un peu chez vous. C'est l'indignation sélective là qui me dérange chez vous, en fait. Moi, perso, si ce n'est que les histoires de Facebook, rien à foutre. Moi, ma vie ne dépend pas des réseaux sociaux. Si ma vie dépendait de Facebook, c'est que je suis à Facebook matin, midi, soir. Mais ma vie ne dépend pas de Facebook. Je peux venir là, je fais une semaine sans faire de vidéo, même sans poster, parce que je n'ai rien à gagner à Facebook. Contrairement à vous autres. Oui. Tu as fait une sortie, d'une part tu as raison et d'une autre part tu en fais un peu trop, quoi. D'une autre part, tu montres encore une fois de plus votre hypocrisie. Quand toi-même tu fais la vidéo, tu dis que je défends Amoubelinga. Pourtant, c'est un écam qui a assassiné un écam. Reine Mère Bio, avec tout le respect que je te dois, tu peux prouver que c'est Amoubelinga qui a tué Martinez Zogo. Est-ce que tu peux prouver que c'est Amoubelinga qui a tué Martinez Zogo? Tu ne peux pas le prouver. D'ailleurs, personne ne peut le prouver. Mon seul souci que j'ai avec cette histoire de Martinez Zogo, c'est qu'on nous a servi un coupable idéal. Ce n'est pas que on, vous, les gens de chez toi, nous ont servi un coupable idéal. Et là, je dis non. Si on prouve, s'il savait qu'il est coupable avec les preuves avérées, mais moi-même je vais dire que condamnez-le. Aucun être humain n'a le droit d'ôter la vie d'un être humain, peu importe la sorte. Je dis bien que peu importe la sorte, le meurtre c'est le meurtre. Même avant qu'on ne découvre le cadavre de Martinez Zogo, on nous disait déjà que c'est Amoubelinga qui l'a tué. Quand on a alors découvert son cadavre, tout le monde, ta tribu que tu dis tant aimer là, qui n'aime pas sa tribu, mamie? Qui n'aime pas sa tribu? Le problème avec vous, c'est que quand on voit, quand on fait comme vous, ce que vous voyez sur la toile là, les Bamileke qui insultent les bêtis, les Bamileke qui traitent les écams, vous ne dites rien. Mais quand on réagit comme vous, on fait la même chose que vous faites avec les écams. Là, vous réagissez, vous avez trop mal. Donc, nous, on est des animaux. Nous, on n'a pas de douleur. Nous sommes des robots. On n'a pas de douleur qu'un Bamileke insulte un écart, insulte, traite de tous les noms d'oiseaux. Nous, on ne doit rien dire. On a trop peur. Non, c'est le vivre ensemble. Laissons, on nous insulte, on supporte. C'est le vivre ensemble. Ma soeur, ça ne marche pas comme ça. Dans la vie de tous les jours, dans la réalité de la vie, ça ne marche pas comme ça. Je dis bien qu'aucune tribu au Cameroun ne peut accepter que quelqu'un insulte sa tribu. Aucune. Comme ça te fait mal là. Comme ça te fait mal. Sache que c'est comme ça aussi que ça me fait mal quand on insulte les miens. Tu prends Mugberinga, tu dis que oui. On a dit que, homme, prenons des menteurs. Homme, qui a dit, vous étiez là? Non. Vous avez le lieu même de son assassinat? Non. Vous avez quoi? Non, mais vous avez défini que c'est Amoubelinga qui doit aller en prison. Pour les raisons qui vous. Les vôtres.
juste par jalousie, juste parce que la tête de la personne ne vous plaît pas, juste parce que c'est un concurrent imminent homme d'affaires qui vous concurrence. Donc c'est le premier point que je souligne dans ta vidéo. Le fait que tu affirmes, ah Brigitte, le fait que tu affirmes avec véracité que c'est un écam qui a tué un écam. Pourquoi alors vous souffrez tant de cette mort-là? Pourquoi est-ce que ça... C'est-à-dire que c'est comme un tsunami pour vous. Est-ce que je suis assez... Je ne suis pas une enfant. Tu es sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux. Nous voyons tout ce qui se passe. Pourquoi une seule fois tu n'as pas fait une vidéo en demandant un peu au Bamileke que non, mes frères et sœurs, est-ce que vous allez la preuve de votre accusation? Pourquoi tu n'as pas fait ça? De dire que vous exagérez, est-ce que vous avez la preuve? Laissons la justice faire son travail. Hein? Laissons la justice faire son travail. Si la justice de notre pays, le Cameroun, comme c'est ton pays, c'est comme ça aussi que c'est le mien, prouve que c'est lui le coupable, que c'est lui l'assassin de Martinez Zoro, eh bien, ils font faire le nez. Il ira en prison. Et on le souhaite que, on souhaite que le véritable coupable de ce meurtre-là aille en prison. Mais on ne veut nullement pas. Comme tu dis que je le supporte, je le supporte. Oui, je ne m'en cache pas. Je le supporte depuis le premier jour qu'on a dit que c'est lui le tueur. J'ai dit que je n'accepte pas. Tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas prendre un individu parce que sa tête ne vous plaît pas, vous le mettez en tôle. Tu m'as vu, tu connais le nombre des élites et quand il y a en Kondongi. Tu connais, non? Tu m'as déjà vu, moi, m'indigner, faire du tapage des réseaux sociaux pour eux. Si ça a été prouvé qu'ils ont fait, qu'ils sont des voleurs, qu'ils ont mangé, ils sont en tôle. Le gouvernement, la justice camerounaise a fait son travail. Qui suis-je pour venir dire que non, vous n'avez pas bien fait votre travail? Il faut les faire sortir parce qu'ils sont écams. Non, 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 ça ne marche pas comme ça dans ma tête. Et là, je parle pour moi. Ça ne marche pas comme ça dans ma tête. Si ça avait été avéré, juré, les preuves à l'appui, que oui, c'est lui le coupable. On le prend, on le met en tôle, on l'envoie en Kondengi. Parce que c'est ça, justice a été faite. Ce n'est pas que aucune enquête, rien. Vous venez, vous voulez nous faire gober que c'est lui l'assassin. C'est trop facile. Vous vous basez sur quoi? Quand tu vantes que lui, c'est un gonon bon. Lui, c'est un gonon. Comme quoi? Oui, c'est un gonor qui ignore que j'ai un pour le Bingonaïka. Oui, c'est un gonor qui dit des choses sur votre amour Belinga. Mais avant, celui même qui est décédé là, Martinez Zoro qui est décédé là, il disait aussi des choses sur ses frères Kam. Ce que j'ai pour le Bingonaïka fait là, s'il était au pays, il serait aussi 2 mètres sur terre comme Martinez Zoro. Ce que nous, on essaye de faire comprendre à nos frères et nos sœurs qui sont au pays là, que vous ne pouvez pas manger dans toutes les sauces. Et vous ne pouvez pas venir trahir les vôtres pour l'intérêt de certains. En pensant que on va vous applaudir. Parce que Martinez Zogo, paix à son âme où il est posé, dans la morgue où il est là. Il a fait du sale boulot. Et lui-même savait que les gens qui lui remettaient les dossiers aussi lourds. La preuve en est que quand il se savait traquer, quand il savait qu'on le traquait pour le tuer, il allait toquer aux portes de ses pères et de ses frères. Il n'est pas allé toquer aux portes d'un élite Bamileke. Il est allé toquer aux portes de ses frères et de ses pères. Que, aidez-moi, ça a cuit. Ça a cuit, oh, ça a cuit, aidez-moi. Tu as déjà fini de faire du sale. On a déjà fini de profiter de ta personne, de la naïveté des écams.
ont fini de profiter de sa naïveté. Il va en vendre sa propre famille et c'est le premier qui vient encore demander le secours dans sa propre famille. Tu finis de faire du mal partout, partout, tu viens toquer ma porte, mais je te ferme la porte au nez. Je te dis que mon frère, je n'étais pas avec toi. Je n'étais pas avec toi. Parce qu'on avait averti aussi à Martinez Zobo que ce que tu fais là n'est pas bien. Éduque comme nos enfants, comme les Bamileke éduquent leurs enfants. Que quand c'est ton frère, c'est ton frère. On ne vend pas son frère à la vendue populaire. S'il y avait quoi que ce soit, Martinez Zobo aurait dû se taire. Ceux qui avaient ce dossier-là partaient voir l'administration. Il y a une administration policière, gendarmerie au Cameroun. Pourquoi on s'est servi de lui? Parce que les Manbeti sont trop toc-toc, naïfs. La naïveté de ça. Comme vous vous servez aussi, comme on se sert aussi de Jean-Paul Reming Honoré. Parce que moi, je dis que vous vous servez de lui. Jean-Paul Reming Honoré a des informations que tu restes comme ça. Tu dis que les qui travaillent au gouvernement, comment ça se fait que autant de secrets d'un gouvernement sortent dehors et un individu comme Jean-Paul Reming Honoré parle de ça comme si c'était de la rigolade. Des dossiers classés secrets de France. Si Jean-Paul était au pays, c'est que lui-même il est mort. Pour l'instant, le sale boulot qu'il est en train de faire là, arrange cette. Parce que même s'il faut le qu'il a mis sur Ambin, je ne suis pas sûr que ça leur coûte grand-chose. Je ne suis pas sûr que ça leur coûte grand-chose. Voilà un autre. Que demain, quand on va aussi attraper sa vie, ce que vous ne faites pas au vôtre, mais vous voulez, vous aimez toujours que les Yaoundé font ça à leur. Pourquoi? Ce que vous ne faites pas aux autres, mais vous aimez que les Yaoundé font ça au leur. Pourquoi? Il a fait du sale, ça l'a coûté ce que ça a coûté sa vie. Quand il parlait à la radio, là, n'est-ce pas vous tous on écoutait? Qui n'a pas écouté ses interventions radiologiques? Nous tous on a écouté. Comment il mettait en vindicte populaire certains élites, certains membres du gouvernement, et pas les moindres. Vous avez entendu ça, un Bamileke aussi faire ça dans, dans sa radio un jour? Non. Vous avez entendu un Bamileke faire ça dans sa télévision un jour? Jamais. Pourquoi c'est toujours nous? Tu aimes ta vie, tu manges, tu essuies ta bouche, tu la boucles. Oui, oui, oui. C'est comme ça. Vous faites. Pourquoi ça? C'est pour ça que je te dis que pourquoi ça te dérange que j'agis comme c'est un Bamileke. Lui, tu dis peut-être que comme je mélange les Bamileke, là, je suis d'accord avec toi. Que je mélange tous les Bamileke. Moi, je ne sais pas quelle phrase employer pour vraiment faire la différence entre ceux qui ne sont pas dans nos histoires et ceux qui sont dans nos histoires. Là, je suis d'accord avec toi que c'est le fait que je mélange tous les Bamileke qui te dérange. Je ne t'en disconviens pas. Mais je m'adresse à ceux aux Bamileke qui s'apprennent à nous. Oui, si tu veux que je précise, je m'adresse aux Bamileke qui s'attaquent aux Yaoundé. C'est à eux-là que je m'adresse. Peut-être que je ne dois pas généraliser. Parce qu'il y a plein de Bamileke que je ne suis pas au courant d'eux. Ils ne sont pas au courant de moi. Que je ne suis pas. Tu dis que j'ai eu une enfance, que j'ai eu... Moi, je viens découvrir le mot tribaliste en Europe. Moi, Élise, à mon âge, c'est ici en Bénin que je viens connaître le tribalisme. C'est ici que je découvre qu'il y a le tribalisme. Et c'est depuis 2018 que c'est vous qui avez ramené le tribalisme. Avant, moi, je ne connaissais pas que je pouvais dire que Bamileke, c'est Bami, Yaoundé, c'est Yaoundé. Avant, moi, je ne connaissais pas ça. C'est vous qui nous avez appris. Parce que c'était déjà passé depuis... Quand il y a eu les villes mortes, les tueries de 1992. C'est 92 qu'il y a eu les villes mortes qu'on chassait les Bamileke dans tous les villages
dans tous les villages de Yaoundé. Tu te souviens de cette histoire-là? Moi, j'étais une gamine. J'étais une enfant. Hein? J'étais encore bébé. Donc, je ne peux pas dire que j'étais de cette génération-là. Donc, je ne connais pas. Je connais l'histoire comme on nous l'a relaté, nous tous, qu'on chassait les Bamlékés dans nos villages, on leur demandait de rentrer chez eux. Mais pour moi, je n'aurais jamais imaginé que c'était une question tribaliste. Au jour d'aujourd'hui, vous, la majorité silencieuse, vous ne vous en prendrez qu'à vous-même. Parce qu'on fait la même chose. Ce que je fais là, c'est ce que Ngannou fait. Ce que je fais là, c'est ce que... J'ai posté une vidéo ici. Reine bio. Hypocrisie à part. Tu comprends, Norma? Hypocrisie à part. J'ai posté la vidéo de ce monsieur ici. J'aurais aimé que tu viennes t'indigner sur la vidéo là. J'aurais aimé que tu viennes t'indigner sur cette vidéo. Mais je vais vous dire que vous avez toqué à la mauvaise porte. Écoute, tu n'as pas vu la vidéo sur ma page. Mais tu es venu écouter ce que je disais hier. Écoute, tu n'as pas vu. Tu te dis un jour, ça veut dire que l'espoir vit en lui. Tu as vu, non? Si elle est humaine, à quoi de vous dire un jour. Ça va m'améliorer. Il s'appelle Takam. Il n'y a que des hommes qui ont de l'espoir. Tu as vu? Un jour. Le mendiant ne dit jamais un jour, un jour. Le mendiant, c'est maintenant et tout de suite. Je vous ai dit hier que Paul Biya est tellement mendiant de son propre corps qu'il va même mourir. Même les articles ne vont voir rien pour manger. Parce qu'il a tout consommé à son vivant. Où est passé Paul Biya? Il est enterré où? Même son entourage ne le connaît pas. Chacun garde à son tour. L'homme regarde le sort qui est réservé à Paul Biya. Il dit, je préfère manger pour le moment. À ma mort, je ne me rappellerai de rien. Il n'y a que le mendiant qui pense comme ça. Et beaucoup d'entre nous en diaspora, on a pour espoir de dire changement dans la paix. Cette paix-là, ça serait dans vos sommets les plus profonds. Chaque boulot a une arme cachée. Il vous attend en guerre. Mais même vous a volé 193 milliards de francs CFA. Il a les armes cachées. Même étant étudié, à Ekoningi, il vous attend. Il a envoyé les pions à diaspora. Vous suivez et être trop près de vous. Vous avez dit que c'était des hommes sérieux. Je le dis et je l'assume. Vous avez compris? On ne tire jamais l'arme dans la maison. Papa, je suis fier de toi. Voilà, monsieur. Si vous avez oublié, vous avez confondu avec les champagnes. Voilà, monsieur qui dit, il assume. Moi, j'ai pris cette vidéo ailleurs. J'ai réfléchi à deux fois avant de la poster. Parce que quand je fais mes posts ici, il y a toujours des gens qui viennent me dire « Élise, tu es tribaliste. Élise, tu es ceci. Élise, tu es cela. » Voilà un monsieur qui dit haut et fort qu'il n'aime pas les ICAM. Bon, en parlant du boulot. Le boulot, c'est qui? Le boulot, c'est moi. Le boulot, c'est toute la région. Il dit « Rora, j'aurais aimé... » Reine Mère Bio, quand j'ai posté, je n'ai même pas eu un seul commentaire de tous ces gens qui s'indignent souvent de dire que Élise est tribaliste. Je n'ai eu personne. Pas un seul commentaire. J'aurais aimé que tu viennes, tu viennes t'indigner sur cette vidéo-là pour dire que non au tribalisme, non à la victimisation et non au génocide d'un peuple. Parce que ce que ce monsieur s'y fait, c'est un appel à la haine. Tu comprends, non? C'est un appel à la haine de l'autre. Tu écoutes ça. Tu es Boulou. Tu es Wondo. Tu es Kam. Tu es Ton. Tu te sens directement concerné. Un poulet qu'on peut manger à 6. Le Boulou blesse pour manger sur place. Le Boulou a décidé de tuer tout le peuple anglophone. Pourquoi la crise anglophone ne peut pas s'arrêter? Pourquoi Mathias Onenguine a toujours le même propos dans la bouche? Parce que c'est un mendiant de nature. Quand il n'avait pas encore de place très proche, il expliquait c'était quoi le gouvernement. Il s'est rapproché, il a compris que le gouvernement n'existait pas, c'était un cartel. Il fallait se taire et parler exactement comme eux pour avoir de quoi se mettre dans la bouche. Mais 90% d'entre eux mangent tous les jours et se comportent toujours comme des coqs. Ils mangent depuis 1982 et ils brossent la bouche au sol pour jurer sur la terre de leurs ancêtres qui n'ont jamais rien mis dans leur gésier. Boulot assassin. Que personne ne vienne dire le contraire de ce que je connais déjà. Parce que je l'ai dans la cervelle. Dans tous vos villages, les commissaires de police et les commandants. Ce que vous faites là, c'est que nous-mêmes, on nous dit aussi. Hein. Parce que vous croyez que quand vous faites la détestation de l'autre, du quoi, ne vous détrompez pas que moi, dans ma tête, on a toujours, depuis le temps d'enfance, on me dit toujours que jamais un Bamlékés au pouvoir. Même si il faut que le Cameroun brûle, quitte à ce que le pouvoir retourne chez les Aoussa, mais un Bamlékés, jamais au pouvoir.
au Cameroun. C'est dans notre cerveau. C'est comme ça qu'on nous élève aussi en nous disant que tout sauf vous au pouvoir. Donc, ça ne vous, c'est vous que ça étonne. Parce que vous faites dans l'hypocrisie. C'est vous que ça étonne. Quand vous faites aussi la détestation de l'autre, d'une quoi, sachez que nous aussi, on nous a mis dans notre cerveau que jamais au grand, jamais un Bamileke au pouvoir au Cameroun. Au grand, jamais. Et c'est comme ça, et c'est dans notre coin de notre cerveau. Ça reste bien là. Et nos hommes politiques s'en servent. Parce qu'ils savent bien que, quitte à mourir et donner le pouvoir à l'homme Bamileke au Cameroun, on va préférer mourir que de vous donner le pouvoir. Ils s'en servent. Moi, je ne parle pas pour parler que parce que je déteste le Bamileke. Je fais ce que le Bamileke fait. Je fais ce que le Bamileke fait. Et ça, ça vous énerve. Est-ce que je vous déteste à un point? Je ne vous déteste pas. Je vous connais où? Je mange chez vous? Non. J'habite chez vous? Non. Quelqu'un me nourrit? Non. Je suis votre ami? Non. J'ai déjà sorti en Bamileke. Comme tu as demandé que est-ce qu'un Bamileke m'a fait quelque chose dans ma vie? Non. Je n'ai jamais sorti un Bamileke de ma vie. Je n'ai pas fait d'enfant avec un Bamileke. Je n'ai rien. J'ai grandi avec une famille Bamileke. Ceux qui me suivent dès le début. J'ai raconté ma petite histoire ici. Que j'ai grandi à la gendarmerie Mbopi. Tant Mbopi. Vers le kilomètre 5 à Douala. Là. J'ai grandi là-bas. Et j'avais pour voisin une famille Bamileke. Tchang. J'ai encore mon camarade de classe là, jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Nguépi. Ça s'arrête là. Et pour moi, ça n'a jamais été... Ce n'est pas une mésaventure. Hein. Nous, on était des enfants. Nous, on était des enfants. J'aurais aimé que tu t'indignes. Quand on vous dit que l'indignation sélective, c'est quelque chose... Vous avez voulu faire Paul Biamosgo. Combien de quoi se sont ralliés à vous? Combien de quoi se sont venus vous rallier à vous que Paul Biamosgo, quand on a créé la basse là, est-ce que dans la basse il n'y avait que les Bamileke comme aujourd'hui? Il n'y avait pas seulement les Bamileke dans la basse comme aujourd'hui. La basse est devenue une histoire de village. À l'époque, quand la basse a commencé devant nos yeux, nous tous ici, à l'époque de 2018, de la présidentielle, il y avait toutes les tribus à la basse. Moi-même si, j'ai failli entrer dedans. Je ne me cache pas, parce que tout est là sur les réseaux sociaux. Moi-même si, j'ai failli entrer dans la basse. Parce qu'au départ, je me suis dit que merde, ces gens-ci défendent la bonne cause, le changement du pays. Mais une fois qu'on veut s'intéresser au fond, on se rend compte que c'est l'histoire d'un individu, c'est l'histoire d'une tribu à abattre. On se dit que non. Hein? Quand vous voyez un monsieur, un éminent commissaire comme Junior Zogo, n'est-ce pas, il était aussi avec vous? Parce qu'il a cru. Il a cru que c'était le changement que vous vouliez. Il a cru que c'était... il a cru que c'était... Vraiment que c'était... c'était un combat. C'était un combat pour le peuple. Pour tous les peuples. Mais quand tout le monde s'est rendu compte que c'était une histoire de village... Tout le monde qui était avec vous a fui. A fui. Tous les autres tribus qui étaient dans la basse, ils ont tous fui que Ehe. Donc, au fond, c'est ma propre tribu qu'on va abattre. On cache les leurs. Quand on a commencé à voir que, quand c'est le ministre Ekam qui arrive ici, vous êtes devant leurs hôtels en train de faire pom, 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 jeter les œufs. Quand c'est le ministre Bamileke ou les dirigeants Bamileke qui sont dans le gouvernement camerounais arrivent, on ne vous voit pas. Personne ne part s'indigner. Pourtant, ils sont aussi du RDPC. Vous avez commencé vous-même à sélectionner les qui vous voulez chasser en Ben quand ils viennent et les vôtres vous les laissez. C'est où vous-même vous avez créé le tribalisme dans ça. Vous-même, vous avez créé le tribalisme dans l'histoire. Et c'est comme ça que c'est mort. Comme c'est mort là. Parce que personne ne peut accepter. Soit on abat le gouvernement ensemble, parce que dans ce gouvernement là, il y a différentes tribus et ethnies du Cameroun. Soit
On ne sélectionne pas. Parce que moi, Élise, je suis Yaoundé. Quand c'est mon frère Yaoundé qui est ministre qui vient, allons casser les œufs. Je cours. Je pars. On sort. Rentre au Cameroun. Va souffrir au Cameroun. Il n'y a pas des hôpitaux au Cameroun. Quand c'est pour vous, Niak Moujifendi est venu ici là. Le papa Grabataire là est venu ici plusieurs fois se faire soigner. On ne vous a pas vu. Aller casser les œufs devant l'hôpital américain. Jamais. Donc les gens ont commencé à fuir. Donc arrêtez votre hypocrisie à la con que vous faites là. Vous vous indignez quand ça vous arrange. Vous voulez trop la tête d'âme Goubelinga. Vous ne voulez même. Donc ça vous énerve. Que les Belises disent que pourquoi notre homme d'affaires? Jamais. Pourquoi ça vous énerve? Je ne fais que répliquer ce que certains d'entre vous font. Hein? Mais je ne t'ai jamais vu, hein? Reine Mébio. Je ne t'ai jamais vu t'indigner. Oui ou non, le boulot va détruire. Il est préparé à détruire. Il rêve de détruire. Tout ce qui l'intéresse, c'est de détruire. Il n'a jamais rien construit depuis 82. Partagez le direct. Il faut qu'on comprenne que c'est des colonies. Il n'y a pas un partage. Le Cameroun soit indivisible. Je veux que ça se sépare. Même une femme, quand le mariage ne fonctionne pas, arrêtez vos bêtises. Je dis, on est indivisible. Qu'est-ce que vous faites pour que vos chéris restent sur place? Quand on a merdé, et le courage de dire. Le 1 est indivisible, là, c'est surtout quand il parle aux écrans. Mon chéri. C'est où je. Non, mon père, moi je suis d'accord avec le monsieur ci. Moi je suis d'accord avec le monsieur ci. Les gens qui le traitent de fou, là. Moi je suis d'accord avec le monsieur ci. Quand vous devez dire que le 1 est indivisible, c'est quand vous vous agressez aux écrans. Que non, le Cameroun est 1 est indivisible. Mais quand il faut vous agresser à vos autres que non, vous dites que non, c'est mon frère, c'est ma soeur. Donc pour vous, ça vous fait mal. Quand nous aussi, on décide que peu importe ce qui va se passer au Cameroun, on va supporter les nôtres. Jusqu'au boutisme. Je dis bien que jusqu'au boutisme. Parce que c'est vous qui avez instauré ça. Nous, on s'en fout, hein. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont les écrans qui sont au pouvoir. Ils veulent même reprendre le pouvoir en 2025. Ils vont prendre, on va leur donner. Même après 2025, quand on va revoter, ils veulent encore, on va sauf que leur donner. Ouah. Moi, je suis d'accord avec le papa, si. Est-ce que moi, j'ai un problème? Il dit que si le mariage ne marche plus, on se divise. Divisons-nous. Je voudrais qu'on revienne comme on était avant. Que ça soit toujours uni entre nous deux. Que rien n'arrive à nous séparer. Non, le boulot a montré qu'il n'a pas besoin d'amour. Il a besoin de haine. Et la haine, on va la porter. La haine, il faudrait qu'on le donne à mon vision. Il faut que chaque fois, on le démontre qu'on a aussi sa haine là contre lui. Oui, c'est pas grave. Mais pourquoi alors? Ceux qui nous ont dit l'amour, je n'ai plus besoin de votre amour. Nous non plus, on n'a pas besoin de votre amour. J'ai besoin de haine. Oui. Quand vous démontrez la haine, nous aussi on démontre la haine. Ça ne choque pas. C'est balançant. Balançant. Il n'y a jamais eu l'armée camerounaise. Il y a eu une milice. Il a fallu le nord-ouest et le sud-ouest. Il a fallu un génocide pour qu'on comprenne qu'il n'y a jamais eu d'armée au Cameroun. Et ceux qui ont peur de le dire, vous êtes tous des traîtres de la République. Vous êtes les traîtres de la nation. Vous participez pour le génocide anglophone. Voilà un village habillé en tenue. Fort de chic. Voilà un village habillé en tenue. Vous avez vu? Ils ont porté les bottes comme les maquisards. Ils ne sont même plus avec l'habit de l'armée. Regardez. Regardez celui-ci en botte. Entre eux, c'est Maduna, hein. Marc Maduna, hein. On va aller faire 50 ans de guerre. Si c'est notre pays, nous tous, on devait s'entendre. Mais comme les autres sont les propriétaires du pays, le colon n'a pas le droit de nous écouter. Soit on obéit au colon, soit on doit être maté. Si vous voyez un boulot au Cameroun qui vous demande le choco en route, vous refusez de donner, il va vous tuer. Il ne vit que de ça. Si vous voulez garder votre vie en sauve, vous allez le payer. Si vous ne le payez pas, vous allez être abattu. Alors vous savez, l'enfant qu'on a abattu, c'était parce qu'il n'y avait pas l'argent. Il n'y a jamais eu d'enquête. Beaucoup d'entre vous attendent encore l'enquête. Si vous n'avez pas été abattu, vous serez encore derrière les écrans en train d'attendre l'enquête. Le peuple anglophone a compris que depuis 2016, ils sont dans les prisons. Il n'y a jamais eu d'enquête. Désormais, ils font leurs enquêtes eux-mêmes. J'exhorte les Camerounais à comprendre qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. Celui qui va, votre tortionnaire et votre juge. Non, mon frère, il y a la justice au Cameroun. Il y a la justice au Cameroun. Quand il faut abattre à Moubeninga, là, il y a la justice au Cameroun. Philippe a élevé votre avocat. Parce que l'avocat a force. Ah, il faut abattre à Moubeninga, la justice au Cameroun. Philippe a tout abandonné. Oui.
Maman, le mot cède a été le mot le plus prononcé. Depuis 82, vous avez tué combien de personnes? Depuis 82, vous avez conçu où? On parle de détournement. Vous voyez les personnes détournées devant vous. Ils ne vous rendent même pas compte. Que mes ancêtres m'épargnent. Qu'un jour, je viens dire, je n'avais jamais dit que vous le tortionnez, vous l'assassinez, vous le tuez des peuples. Et quand Betty, vous ne répondez pas à ce qui se passe. Vous criez au début, tribalisme, tribalisme. Ils ont raison d'être tribal. Chacun protège son chacun. Ils protègent le chez eux. Comme pour les Américains, vous protégez vos biens et vos immeubles. Changement dans la paix, c'est à cause du morceau de papin. Changement dans la paix, c'est parce qu'on a peur que les conteneurs vont se bloquer au port. Et comme ça, le boulot vous tire avec. Les Américains sont construits à Saint-Mélima. Un peu de partout là, dans le sud. On va les chasser. Écoutez bien ce que vous dites. On va les chasser. Vous savez comment on va les chasser? Ça va durer. Prenez mon message vraiment au sérieux. Parce que je sais que tous les bases sont ici. Vous prenez ça comme ça à la légère. On va les chasser dans le sud. D'ici quelques jours, vous allez voir. Ce n'est pas la mort de Pierre qui va les chasser. Ce matin, si on a voiture de boulot à Bouya, à non. À Bouya, non. Dans le nord, c'est le sud, raison. Quand on continue à tuer les boulots, vous pensez que l'ambassadeur français est devenu président du Cameroun, puisqu'il se bavane partout facilement pour rien. C'est parce que tu tentes de garder les choses, que ça ne l'échappe pas. Parce que ça va l'échapper. La France est d'accord, on parle du tribalisme au Cameroun, ils sont très d'accord pour cela. Le Bamileke est un caillou dans la chaussure de la France au Cameroun. Vous avez compris? Boulot intellectuel. Boulot qui ne sait pas dire la vérité. Boulot mendiant. Boulot intellectuel. Boulot qui ne dénonce pas. Boulot qui assume qui sont les suprémacistes. Boulot mendiant. Boulot intellectuel. Boulot qui dénonce. Boulot Bamileke. Boulot tortionnaire. Boulot assassin. Pour le tuer les peuples. Pour le qui gouverne le Cameroun sans jamais rien construire. Pour le mendiant. Depuis 82, les poules peuvent nous dire qu'ils ont tenu quoi dans ce pays-là. Pour le que le Bamileke a interdit de tout construire. Pour le que le Bamileke veut tout confisquer. Pour l'assassin. Je reviendrai ici sur la toile. Jusqu'à partout où vous allez passer, ça serait pour l'assassin. C'est pas moi qui le dis. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ceux qui ont la gâchette facile, c'est les poules. Ceux qui tuent tous les jours, c'est les poules. Si les boulots n'étaient pas partout, c'est que dans tous les cadavres, ils n'ont pas trop que les boulots. Pourquoi la Tangana meurt tous les jours? Pourquoi les margas sont tués chaque fois? Pourquoi les onanas sont tués tous les jours? Il n'y a pas aussi les Fonkam. Il n'y a pas les Bétou là-bas? Il n'y a pas les Mokam? Non, j'avais oublié que tout le monde au Cameroun s'appelait la Tangana. Pour avoir la vie sauf, pour le tortionnaire, je vis en diaspora. Je ne suis pas la honte de ma génération. Ce que je dis ici, j'assume. Même dans la rue en Europe, j'affronte. Tabou, vous bénissez se met à dos. Voilà, alors voilà, quand vous dites vraiment que vous voulez faire l'indignation, indignez-vous. Alors c'est votre frère qui parle. Oui, indignez-vous que jamais on est un et indivisible. Pourquoi tu peux parler comme ça? Pourquoi tu peux parler comme ça d'une tribu du Cameroun? Comment tu peux dire que les boulous sont des assassins? Comment tu peux dire que les boulous sont des voliers? Comment tu peux dire que les boulous sont des voleurs? Comment tu peux dire que d'ici peu, on va chasser tous les Bamilekés dans les villages boulous? Même si moi, Elise, je vous dis très bien que moi, je n'en veux pas à ce monsieur. Hein? Son discours ne m'effrite même pas un peu. Son discours ne me dérange pas. Parce que dans le fond, il dit beaucoup de vérité. Il faut juste être hypocrite pour ne pas écouter ce que ce monsieur est en train de dire. Il faut être hypocrite pour le traiter de fou. Vous maintenez une coalition. Il suffit de venir dans les réseaux sociaux pour voir comment nous tous, nos cœurs sont noirs. Chacun défend sa tribu. Et c'est légitime. C'est légitime. Lui, là, il défend sa tribu. C'est légitime. Elisa défend sa tribu. C'est légitime. Vous ne pouvez pas me jeter la pierre. Pourquoi je ne lui jette pas la pierre? Vous croyez que son discours, je suis en train de me pendre parce qu'il dit que oh, les boulous, on tue les boulous chez nous. Dans la mer camerounaise, il n'y a pas que les boulous. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Au niveau du Nozo, les qui sont beaucoup tués? C'est les Makarna, Majona. Vrai ou faux? Quand on voit ton nom, on voit Tchakounte, on ne te tue pas. Mais quand on voit Onona, Onana, Atangana, oh, vous nous entendez? Est-ce qu'on en fait de ça un soulèvement
quelconque. Ils ont choisi d'aller défendre la patrie. C'est leur choix. Il dit beaucoup de vérité. Assumons. Donc toi, Nathalie Baba, quand tu t'assois, tu viens t'indigner que je parle de... Moi, je n'insulte pas. Je n'ai pas besoin d'insulter le peuple bamiléké. Je dis ce que j'ai à dire. Moi, je n'insulte pas. Parce qu'insulter, c'est trop bas. Tu dis seulement les vérités comme ils me viennent du cœur. Je les dis et je quitte dessus. Je n'insulte pas. Dans les ministères, on parle quelle langue? Mais la personne qui écrit ce message-là, tu parles souvent au Cameroun. Tu parles souvent au Cameroun. C'est dans les ministères-là que le tribalisme est même le plus avéré. C'est dans les ministères que le tribalisme est le plus avéré. Dans chaque ministère, il n'y a que les gens de son village. Dans chaque ministère, il n'y a que les gens de son village. Tu pars dans le ministère de Kécha, madame la ministre des Travaux Publics, tu vas trouver que les gens du village là-bas. Oui. Tu pars dans le ministère de peut-être d'un ministre Yaoundé. Tu vas beaucoup trouver que les Yaoundé là-bas. Mais est-ce que c'est quelque chose que tout le monde ignore? Qui ignore ça? Tu pars dans un ministère où il y a un Bassa. Tu vas trouver les Bassa là-bas. La majorité seront Bassa. Tu pars dans un ministère où il y a un Douala. Tu vas trouver que Nandje, la Topi Nandje, tu vas les trouver que là-bas. Donc ce que vous voulez faire, comme si c'est quelque chose qu'on ignore, c'est que c'est vous qui êtes dans l'ignorance. Nous, on sait que c'est comme ça. C'est comme ça dans tous les ministères du Cameroun. Chaque ministre s'attribue ses gens. Aussi bien chez les Bamileke, tu prends chez Kécha, tu vas voir que du plantain de l'engrais jusqu'à chez madame la ministre elle-même. C'est que les Bamis. Tu prends chez un autre. Pareil. Ceux qui disent que c'est faux, ils sont hypocrites. Ils se voilent les yeux parce que ça les arrange. Parce qu'il faut dire que ce sont les ministres Yaoundé qui sont au pouvoir, que chez eux, c'est que les Yaoundé. Non. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas un fait nouveau. Si on doit combattre, même c'est ce qu'on doit combattre d'abord en premier. Tout bon Camerounais qui se dit vraiment Camerounais doit normalement combattre ce système-là. Mais quand vous choisissez vos combats, eh bien, vous croyez que nous, on va venir mouiller. On va mouiller avec vous, pourtant c'est nous que vous voulez tuer. Oui, allô? La personne a raccroché. Allô? Dis-moi d'abord ici, là. Entre nous, non? Ah! Ok. Ah, ok. Ah, non, je l'ai... Tu sais que... Oui, ok. Vas-y, alors. En live. Vas-y, là, parce qu'il y a une deux lignes. Oui, je suis en live. Parle, j'ai mis le haut-parleur. Ok. Donc, bonjour tout le monde, c'est Sandra. Je vais répondre à la reine Mère Bio. La reine Mère Bio, c'est moi, Sandra. Tu me connais. Je salue aussi. J'ai vu Ndolé Miondo là. Ndolé Miondo, bonjour. La reine Mère Bio, je vais te répondre. Parce que vous savez pourquoi les gens disent, tout le Cameroun dit que l'homme Bamileke est hypocrite. Parce que vous êtes hypocrite que quand vos frères font, vous ne voyez pas. Quand vos soeurs font, vous ne voyez pas. C'est comme si on a fermé vos yeux. Donc, vous ne pouvez pas voir. Vous ne voulez pas voir, pas que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas voir ce que vos frères et sœurs font. Mais dès qu'Élise a lancé son direct pour parler en Goué Satan, et puis Élise a parlé que les Bamileke, oui, est-ce que c'est faux?
Les gens qui réclament la justice pour Amoko Belinga, comment vous pouvez pleurer la mort d'Amoko Belinga plus que les états même? Laissez, toi-même tu as bien dit dans ton direct que l'assassin c'est un écran. Celui qui est décédé c'est un écran. Laissez donc les états régler leurs problèmes en écran. Ça vous fait mal ou? Pourquoi vous voulez, vous ne demandez même pas la justice? Parce que ce n'est pas la justice que vous demandez. Ce que vous demandez c'est la tête de quelqu'un, que vous voulez que cette personne tombe. Parce que c'est la tête d'Amoko Belinga qui vous fait mal, qui vous hante. Et puis quand vous voyez un Nekam qui est milliardaire, nous on sait qu'au Cameroun, les seuls milliardaires doivent venir de l'Ouest. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a menti comme ça? Est-ce que vous savez que l'homme le plus riche du Cameroun vient du Nord? Mais quand je vous entends parler, vous dites que vous êtes les plus riches, vous êtes plus riches où? Je vous dis que l'homme le plus riche du Cameroun vient du Nord, c'est un nordiste. Et ça ne chauffe pas. Et c'est comme ça. Et on avale la pilule. Donc, Elise a fait son direct où Elise a dit beaucoup de vérité. Et toi, tu viens répondre. Oui, vous avez mis la reine des Gaudes en haut. En particulier, toi, la reine Mébio, tu l'as invitée jusqu'au Canada. C'était quoi? Ce n'était pas pour laver son image. Ce n'était pas pour la mettre en haut. Quand vous l'appelez Mafo, nous on sait que les Mafo chez vous, c'est les dames qu'on respecte, c'est des personnes qui ne sont pas comme Goué Satan, la reine des Gaudes qu'on voit sur Facebook. Mais toi, tu l'appelais même Mafo, tu l'appelais même, je ne sais même plus comment Kimka. Tu l'appelais encore. Kimka. Ma Kimka. Voilà. Tu savais qui était Goué Satan. Tu savais que Goué Satan, c'était la reine des Lélé. Tu savais que Goué Satan, c'était la reine des Gaudes. Mais tu l'appelais Makinka. Pourquoi tu faisais ça? Pourquoi tu l'appelais Mafo? En sachant que toi, tu es une Bamileke, tu sais que le nom Mafo chez vous, on ne prononce pas ça n'importe comment. Et on n'attribue pas ça à n'importe qui. Et tu savais bien que Goué Satan n'était pas Mafo. Mais tu appelais Mafo. Tu disais Mafo. Pourquoi tu disais ça? Vous avez pris une reine des Gaudes, vous avez mis en haut là-bas. Que c'est elle qui va devenir Mafo. La reine des Gaudes, oui, Ngoué Satan. Vous, les Bamileke, vous l'avez mis en haut. Et au jour d'aujourd'hui, elle pisse sur vous, elle chie sur vous. Ngoué Satan, toi, tu viens parler à Amoko Belinga. Qui vaut Amoko Belinga? Ouais, Seigneur Jésus. Et le direct que le frère du village a fait là, que tu venais de montrer là sur Facebook là, moi je suis d'accord avec ce gars. Oui. Quand tu vas appeler chien, chien, appelle chien, chien, ne tourne pas autour du pot. C'est comme ça. Et je vais vous dire que vous les gens de l'Ouest là, le reste du Cameroun depuis 2018, parce que je dis que les Camerounais qui dorment, le reste des Camerounais qui dorment encore là, dormez. Vous allez être surpris dans votre sommeil. Parce que la majorité des quoi ont ouvert les yeux. On sait déjà qui vous êtes. Les tromperies d'avant là, c'était avant 2018. Mais depuis 2018 là, nous tous nous sommes devenus ma plan, ma calcul. C'est comme ça et pas autrement. Là où tu trouves ton intérêt, c'est là où tu t'assois. Là où il n'y a pas ton intérêt, tu ne t'assois pas là. Et c'est les qui ont commencé ça au Cameroun, c'est vous. C'est vous les Bamileke, vous avez commencé ça au Cameroun. Vous êtes avec un quoi? Quand un Bamileke attend quelque chose chez un quoi, il est prêt à te laver les pieds, à t'essuyer les pieds, dès qu'il obtient ce qu'il voulait. Adama. Si tu vas même encore reconnaître que non, c'est celui-ci-là qui était en train de me nettoyer les pieds, c'est celui-ci-là qui me faisait la talakou. Il peut même chier sur toi. Donc moi, je veux dire ici, il faut que vous sachiez une chose. Si le Cameroun la brûle, ça va brûler partout. Et vous irez chez vous. L'immeuble étant qui vous fait le mal là, l'immeuble étant est posé sur la terre égale. Eh oui, si l'immeuble a été posé à l'ouest, maman, si vous voulez, mettez même le feu sur ça. Moi, je suis d'accord. Parce qu'un Ekam n'a pas le droit d'aller construire à l'ouest, d'aller poser l'immeuble Ekam à l'ouest. Non, mettez même le feu sur ça. Moi, je suis d'accord.
Mais l'immeuble étant est posé sur la terre et quand vous êtes des envahisseurs, vous avez envahi Douala, vous avez envahi Yaoundé. Mais sachez une chose, plus ça brûle, nous on va vous chasser. C'est ça qui est ça. Vous avez d'abord vu ce qui s'est passé à Saint-Mélima, non? Vous avez vu ce qui s'est passé à Saint-Mélima avec vos boutiques, non? C'est pour vous faire comprendre que quand vous avez vos, quand vous construisez vos maisons là, allez les construire à l'ouest. Parce que si le Cameroun prend feu, je vous jure que vos immeubles là, nous on va mettre feu sur ça. Et ça ne va pas chauffer. Et ça ne va pas chauffer. Et vous n'allez rien faire. Et vous n'allez rien faire. Allez investir dans vos villages. Oui, oui. Que chacun investisse dans son village maintenant. À partir d'aujourd'hui, laissez le Douala au Douala. Laissez Douala, ce n'est pas pour vous, c'est pour le Sawa. Vous dites que vous avez, c'est votre immeuble, vous faites même des comparaisons, vous partez chercher l'hôtel ou c'est l'hôtel quoi qui est à Douala, vous mettez l'immeuble d'Amoubeling à côté, vous dites, vous avez construit ça à l'ouest, l'immeuble là à l'ouest, si ça poum là, le Douala mettre feu là, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire, rien. Vous allez rentrer chez vous élan élan. Vous n'allez rien faire. Vous avez tout. Vous êtes des milliardaires. Vous êtes quoi, milliardaires, quatre. Vous êtes tout ce que vous êtes. Mais vous êtes toujours chez les gens. Pourquoi vous ne restez pas chez vous? Vous êtes toujours chez les gens. Vous étouffez même les gens. Vous étouffez les gens. La saleté, c'est vous. Tout ce qui est mauvais, c'est vous. Allez construire l'ouest. Mettez vos milliards là à l'ouest. Laissez Yaoundé. Qui rend de l'ouest? Qui rend de l'ouest Dubaï? J'entends souvent les discours que oui, on peut rendre tout le Cameroun Dubaï en quelques temps. Mais commencez par l'ouest, non, mamie. Moi, je veux voir les gratte-ciel chez vous. Je veux voir les gratte-ciel chez vous. Les gratte-ciel que vous rêvez construire partout dans nos villages là. Rendez l'ouest Dubaï, mes chers frères Bamileke. Mes soeurs Bamileke, rendez l'ouest Dubaï. On dit que la bonne charité commence toujours par soi-même. Rendez l'ouest Dubaï, on sera des touristes si on vient à y venir. On va aller d'aller à Dubaï, on va venir à l'ouest faire même des photos. Si c'est, même si c'est les États-Unis à l'ouest, j'irai pas. Hein? Eh oui, moi j'irai pas. Parce que c'est comme ça, j'ai ma fierté. C'est d'abord loin. C'est, l'ouest est d'abord tellement loin. Tu me vois déposer mes valises à Simalène Pugna. Je pars à l'ouest, loin, loin, avec les mauvaises routes. Qu'il y a des accidents tous les deux jours, il y a des catombes. Tous les deux jours, il y a les catombes là. Qui? Moi, je ne peux pas, c'est trop loin. Si je veux voir la mer, je pars à Kribi. C'est même largement à côté. Ce sont eux qui ont une large bourse. Ce sont eux qui veulent gagner. Ce sont eux qui ont tout à perdre. Vous rendez l'ouest, vous rendez l'ouest de Dubaï, qui va venir? Qui va venir? Vous croyez que les Yaoundé vont quitter Yaoundé pour venir à l'ouest? On va traverser le pays des Bassa, on va traverser le pays des Sawa, on va traverser pour venir à l'ouest parce qu'on veut venir dormir dans un hôtel 5 étoiles. Mamie, en attendant, même si c'est nous, on ira petit à petit pour aussi faire chez nous. Vous dites toujours, rendez l'ouest. Quand moi je vois certaines images de l'ouest Cameroun, je m'indigne. Je m'indigne. Je vois la poussière, la saleté. Tu dis que, mais les gens s'y parlent de. Même s'il y a la saleté, c'est pour eux là-bas. Mais les gens s'y parlent toujours de rendre les villages riches, de rendre nos villages, de rendre le Cameroun, Dubaï. Mais. Pourquoi ils ne rentrent pas chez eux Dubaï? Rendez chez vous Dubaï. Hein? Même les collines qu'il y a là-bas, vous rasez les collines, vous construisez. Hein? Hein? Eh oui. Tu te rends compte, celle de Karim Gambet, elle fait le direct. Elle dit en plein direct que les Douala, c'est les plus pauvres du Cameroun. Ça là, c'est qui? Mais tu n'as pas vu les Douala faire de ça un problème, hein? Elle a dit que les Douala meurent mal. Va écouter le direct de Karim Gambet. Ça, de Karim Gambet, c'est qui celle-là? En 2022, elle s'est mise, quand le monsieur, le riche Tom là est décédé, celui qui travaillait au gouvernement là, comment on l'appelait, Pendai Koka. Quand monsieur Pendai Koka est décédé, cette dame a lui à faire un direct. Et un Bamileke est venu dans le direct de celle de Karim Gambet.
Et Karine Gambet a dit en plein live qu'elle ne comprend pas les Douala. Les Douala sont là. Ils ne se lèvent pas. Alors que c'est les plus pauvres du Cameroun. Mais je n'ai pas vu les Douala faire de ça un problème. Je n'ai pas vu les Douala se lever et dire que pourquoi Karine Gambet se lève et dit que les Douala, nous sommes les plus pauvres du Cameroun. Ah bon. Les Douala, tellement ces gens ont une fierté. Je vais vous dire qu'au Cameroun, parce qu'étant Camerounais, on se connaît entre nous. Je vais vous dire que parmi tous les Camerounais qui sont Camerounais au Cameroun, là, il n'y a pas plus fier. Il n'y a pas l'homme le plus fier du Cameroun que l'homme Sawa. Même si tu as un milliard devant lui, il ne te voit pas. Eh oui, même si tu as un milliard, même si tu as des gratte-ciel, il ne te voit pas avec tes gratte-ciel. Pour lui, tes gratte-ciel, c'est zéro. Il n'y a que sa veste bien repassée avec du midon à l'intérieur. C'est ça qui est le plus important pour l'homme Sawa. C'est la propreté. Quand tu entres chez lui, dans sa pauvreté, il est propre. Eh oui. Mais cette Karine Gambet s'est mise en plein direct. Elle a dit que les Douala meurent mal. Que les Douala, c'est les gens les plus pauvres du Cameroun et ils sont incapables de se lever pour aller chasser Paul Biya. Ah bon? Mais pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Pourquoi toi, la reine mère Bio, tu n'as pas pris ton téléphone et fait le direct et dit que non, je vais parler à ma soeur de l'Ouest. Tu n'as pas le droit de dire que les Douala meurent mal. Tu n'as pas le droit de dire que les Douala, c'est les plus pauvres. Mais tu as fermé ta bouche. Tu as fait vu et ignoré. Mais quand c'est Élise, c'est là où tu prends ton téléphone. Tu te poses. Mm-hmm. Et tu fais le direct. Maman, y'a vous croyez que les gens... Vous croyez que nous sommes encore les Yaoundé d'avant qui dormaient là, hein? Avant 2018, parce que moi je dis, et si là je vais dire merci à monsieur Maurice Kamto. Oui, parce que ce monsieur a fait qu'on se remet. Non, on doit remercier le papa là, il nous a couvert les yeux. On doit surtout remercier le papa. Il a fait en sorte que le peuple est gang et le reste des Camerounais se réveillent, ceux qui dormaient. Et comme tout le monde ne peut pas se réveiller, il y a encore les Lady Mimbang qui sont encore dans le sommeil profond. Je ne parle pas alors de celui d'Ongono. Lui, il est radié. Celui-là ne fait plus partie des étangs. Jusqu'à ce que la terre finit. Lui, il est, quand on dit qu'il est radié, la terre étang. Celui-là, il va mourir, il va rester qu'en Europe là-bas. Maman, on dit qu'il construit l'immeuble camerounais. Il construit l'immeuble là pour qui? Au Cameroun. Il va même dormir là-bas un jour. Eh oui. Donc celui de Rémi Ngono, il est, je dis bien qu'il est rayé. Attends un peu ma soeur, attends. Je vais répondre à ce monsieur là, j'ai déjà eu à échanger plusieurs fois avec lui. Argent machin là, hein? Ce serait bien que tu viennes avec ton nom, tu vois. Parce que moi je m'appelle Bissot Élise, c'est mon nom et mon prénom, je ne me cache pas. Je n'ai pas besoin d'utiliser un faux profil pour parler, c'est mon nom et prénom. Tu dis que la faute des Bamileke c'est d'avoir dit Paul Biya doit partir. Quand vous étiez en train de dire Paul Biya doit partir, là, vous étiez les seuls. Voilà encore une fois de plus, vous montrez votre hypocrisie sélective. Vous étiez seuls à dire Paul Biya doit partir. Dans votre mouvement, là, il n'y avait que les Bamileke. Est-ce qu'il n'y avait que les Bamileke dans votre mouvement qui disaient Paul Biya doit partir? Est-ce que vous saviez même le nombre de petits qui étaient prêts à mouiller leur veste? Vous dites que trop, c'est trop. Nous sommes les oubliés malgré qu'on a le pouvoir. Est-ce que vous saviez ça? Vous ne saviez pas ça. Mais une fois que vous avez montré votre vrai visage, est-ce que 13% peut donner le pouvoir dans un pays? Même si un jour, vous voulez le pouvoir, vous allez nous convaincre. Vous allez nous convaincre qu'on vous vote. Supposons même que seulement l'Ouest vote pour la présidentielle. La personne ne va pas passer. La personne ne passera pas. Il prendra le pouvoir comment? Qui l'a voté? 13%, pourtant on demande au minimum 51% de vote.
Maintenant, tu viens dire que la seule erreur, c'était que la seule erreur des Bamileté, c'était d'avoir dit que Paul Biya doit partir. Moi, même si je ne me suis pas emboîté derrière vous, j'ai eu toute ma famille et camp sur mon dos. Vous avez la mémoire courte. Moi, même si je me suis emboîté derrière vous que pour dire que non, si c'est vraiment le changement qu'on veut, on en a marre des souffrances. On en a marre qu'une seule minorité des gens mange pour eux et que le peuple, le bas peuple souffre. Mais quand nous-mêmes, on a constaté que tout pour vous, mon commissaire, oh quel honneur, mon commissaire Junior Zogo, vous voyez un imminent commissaire, un bagage intellectuel, le seul qui était peau à peau avec le Nomgui. Peau à peau. Il a rêvé d'un changement. Mais il ne savait pas que c'était le changement dans le tribalisme. Qu'il faut seulement chasser les élites bêtises qui viennent. Il faut seulement chasser les élites des camps. Quand c'est un des camps qui vient, vous tapez les casseroles derrière, vous prenez l'argent. Dans tout ça, vous prenez encore l'argent. Vous prenez encore l'argent derrière. Boris Bertol, quand Moukoubelinga est arrivé ici avec sa femme, sa jeune épouse, Boris Bertol, on l'a vu sortir de l'hôtel dans Moukoubelinga. Il a eu 12 000 euros qu'on lui a donné. Il est venu faire, le gens ont dit que, oh le père, donne, je vais empêcher la basse. Je vais empêcher la basse de venir faire le bruit devant l'hôtel. Donne ma part. Vous travaillez pour votre ventre. En mentant les vrais Camerounais qui souffrent au pays. Parce que vous et moi, nous sommes en Bénin, on ne souffre pas. Nous ne souffrons pas. Je tombe là maintenant, je fais la vaisselle maintenant. Boum! Même l'hélicoptère va venir me secourir. L'hélicoptère peut venir secourir quelqu'un au Cameroun. Vous mangez. Vous faites des sous derrière la misère, derrière les gens qui espèrent un changement. L'avocat d'Am Goubeli est Bamileke. Mais je vais te dire, mon cher ami, si j'avais été à la place de monsieur Am Goubelinga, j'aurais pris Am Bamileke comme avocat. Et il ne travaille pas seul pour ta gouverne. C'est peut-être son avocat, mais il a toute une équipe derrière. Il ne peut pas être seul. Attends, tu as oublié, mais que celui qui a défendu l'avocat de Paris, là, qui a défendu Junior Zogo face aux talibans, Maître Doumou, c'est l'avocat de Am Goubelinga aussi. Il est au barreau de Paris. T'as pas dit qu'il ne travaille pas seul. Vous voyez que c'est vous. Donc, comme son avocat, il faut faire moi-même, je prends Bamileke comme avocat. Si le jour que j'ai même un problème au Cameroun, je vais prendre Mbami comme avocat. Voilà. Vous croyez que nous, on est comme vous. On est comme vous. Vous vouliez qu'ils prennent quoi? Un écran. Pour venir vous asseoir sur cet écran-là que, et l'autre était aussi de meurtrier. Vous avez vu que, comme il a pris un Bamileke, est-ce que vous vous en prenez à mettre à son avocat? Vous ne vous en prenez pas à lui, parce que c'est un des vôtres. Hein? C'est un des vôtres. Est-ce qu'on vous voit vous en prendre à l'avocat de maître de Am Goubelinga? Personne n'y touche. Si ça avait été un écran, c'est que vous avez déjà déchiré sa gueule ici. Mais comme c'est un mamie, c'est ça qu'on appelle l'intelligence. C'est ça qu'on appelle l'intelligence d'un homme d'affaires. Là-bas, c'est pas touche. Hein? J'aurais agi pareil. Donc, supportez que vous avez créé quelque chose que on ne fait que faire comme vous. On fait la même chose que vous faites. Mais nous, on ne pleure pas. Hein? Moi, je ne pleure pas. Le nombre de fois que moi-même, je pleure, je ne pleure pas, j'assume. Vous pleurez pourquoi? L'indignation sélective, c'est qui? Reine Mébio, tu te lèves. Oh, Élise, tu dis que... Moi, je n'insulte pas le peuple bamileke, mais j'agis comme eux. Je fais pareil. Si chaque écran pouvait faire pareil, ce serait bien. Moi, je n'agis même pas. Moi, je les insulte.
Moi, je les insulte au roi parce que quand celui qui est en Belgique se met en direct, il insulte les écarts, l'homme écart mange, il casse l'assiette. Est-ce que les écarts pleurent? Pourquoi l'homme m'a mis les caisses, c'est un éternel pleurnichard. Lui, quand il dit, il donne le coup de poing, celui qui est en face doit seulement subir. Mais comme celui d'en face réplique, lui, il est dans les pleurs du mollet. Est-ce que lui, quand il fait le direct, il dit que l'homme est un paresseux? L'homme est un buveur de donc. On doit venir applaudir. Nous, ça ne nous fait pas mal. Nous, on fait de ça un problème. Ça ne nous fait pas mal. Mais quand eux, ils disent ça, nous, ça ne nous fait pas mal parce qu'on est des robots. Oui, au nom du vivre ensemble, ben moulé. On se fait insulter, on se fait traiter de nous tous les noms d'oiseaux. On doit accepter au nom du vivre ensemble. Et ils ont la gâchette facile, ces gens-là. Ils sont toujours les premiers à venir dire, ah, c'est un tribaliste. Élise, tu es tribaliste. Vous n'êtes rien. Oh, les odontolas. Oh, ceci. J'ai écrit à agent en ligne, là. Toi, là. Toi et moi, on a eu échangé sur la vidéo, là. Tu es venu me dire que vous venez chez nous vous faire plaindre. Vous venez travailler sur nous, chez nous pour avoir l'argent. Je t'ai dit que oui. On n'a rien compris. L'argent est dégagé. Je vais vous raconter l'histoire d'un Aoussa chez nous, chez moi à Yos. Maintenant, il est, comment on appelle les grands Aoussa riches là? Les Aladi, je crois. Maintenant, c'est un grand Aladi chez lui. Hein? Il est venu chez nous, il n'était rien. Il a commencé, il a eu la voiture, les bennes qu'on transporte, le sable de construction et tout ça. Le gars là a construit chez nous un R2. Il a construit chez lui. On dit que son camp dans le nord, c'est le venez voir. Tu passes, tu crois qu'il a travaillé dans le gouvernement de Paul Biya. Pourtant, il n'a jamais, il n'a même pas été à l'école. Il a fini de s'enrichir à Ayos, notre petit Ayos que vous voyez là. Il est parti. Il a tout vendu. J'ai dit que tout vendu, il a pris ses deux femmes. Il est rentré chez lui dans le nord. Avec toute sa dignité. Il est venu. C'est comme quand il est arrivé à Ayos, il est venu se chercher chez nous. Mais il est rentré. Les gens au Rwanda, quand il a mis sa maison en vente, c'est un élite de chez moi. Je tais son nom qui a acheté tous ses biens. Il est rentré chez lui, il est fier. Il est parti en aventure chez les Yaoundé. Mais il est rentré. Vous rentrez. Pourquoi l'Ouest n'est pas Dubaï? Ah, Elise. Hein? Elisa. Ngalassibe no ko. Iwayemi yon ko. Quand on parle des histoires du Cameroun, il faut pas nous comparer avec l'Occident. On vient en Occident ici, on mange ce qu'ils ont volé chez nous. C'est pour nous. On mange. Si ça vous fait trop mal, suicidez-vous. Si vous pouvez même vider le Cameroun, là, vous venez aussi manger pour vous ici. Ça ne serait pas. On ne va pas vous dire que pour vous. Plus raciste que l'homme blanc, il n'y a pas. Mais ils font avec finesse. On vit ici, non? On vit ici. Si on part, tu pars dans une entreprise, il y a 5 blancs, il y a 3 noirs qui sont même plus intelligents, qui ont plus de diplômes. Le blanc va préférer prendre un blanc médiocre, mettre dans un poste que de prendre un noir. Vous parlez de quoi? C'est normal. C'est chez eux. Vous voulez venir nous imposer qu'on doit trop vous aimer. Donc vous voulez que vous venez chez nous, vous achetez notre terrain. Vous construisez chez nous, comme toi tu as construit l'immeuble et moi j'ai construit une case, tu dois me chier dessus. C'est ça qui vous énerve. Parce qu'on ne vous donne pas ce que vous voulez derrière. Parce que vous vous dites qu'on a tout chez eux, mais on a toujours le mépris. On vous méprise parce que vous êtes chez nous. Eh oui. Parce que c'est chez nous, vous êtes chez nous. Je dis que même si vous rendez l'Ouest... Les États-Unis, j'irai jamais. Parce que moi, j'ai tellement une fierté en moi que j'adore mon Yaoundé. C'est quand je suis à Yaoundé que je suis bien. Et puis, je vais aller faire quoi à l'Ouest? Moi, même pour une journée, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas. Ils sont conscients. Je vais aller faire quoi?
Les Bamilékés sont conscients, ma soeur. Je ne vais pas me sentir chez moi. Même s'ils rendent l'ouest de Dubaï, beaucoup de gens n'iront pas. Il y a beaucoup de Douala qui vivent à Douala dans les maisons, leurs maisons en calabot. Tu leur dis que, Bafoussa, il dit que je ne vais pas chercher quoi là-bas. Je reste ici voilà dans ma calabot. L'homme Sawa avec sa fierté. Je reste ici. Dans mon calabot. Je ne vais pas chercher quoi. Rendez l'ouest de Dubaï. Oui. Vous ne nous verrez moi, pas. Moi, je préfère même dormir dehors. Mais tant que vous, vous êtes conscient de ça. Ça vous êtes conscient de ça. Moi, ça me va. Si je suis à l'ouest, je ne me sentirai pas chez moi. Et là-bas, il n'y a que des collines. Chez eux, là-bas, il n'y a que des collines. Ils vont raser les collines, ils sont riches. Okay. Est-ce là-bas, est-ce qu'on regarde encore comment ils vont faire pour construire? Ça ne nous regarde plus. Et ce sont eux qui ont les intellectuels, ils ont des ingénieurs, ils ont tout, ils ont ceci, ils ont tout. Mais ils rasent les collines. Ils ramblent les collines. Ils font comme il y a plus de petites rivières à Yaoundé. Parce que dès qu'ils achètent un terrain quelque part avec la rivière, quelqu'un ramble, il ferme la rivière. Demain quand on va venir casser, ils vont dire que oh, on les déteste. On les déteste. Tu as ramené tout ce qui est ruisseau, tout ce qui est rivière, tout ce qui est lac appartient à l'état d'office. D'office. Mais dès qu'un Bamleke achète où il y a un petit ruisseau qui passe derrière, il va rambler jusqu'à il ferme la rivière. Le moment venu, quand l'état, quand la mairie va regarder les plans d'urbanisation, il va dire que mon frère, la clôture que tu as mis à 5 millions, s'il doit dégager, ils vont se mettre à pleurer qu'on les déteste. On détruit leur maison. On peut être un doc du terrain de quelqu'un comme ça. On peut être un doc du terrain comme ça. Hein? On peut être un dormangolon du terrain comme ça. Non, ce que j'aime, hein, Élise, mais ce que j'aime en nous, l'homme est quand, tu comprends, hein? Parce que on dit toujours que le chez-toi reste Mouranongoulotte, dédié. Parle en français, comme ça, j'entendais bien. Tu sais, bon, oui. D'ailleurs, ils sont là, Dieu. Prenne mes bio, parle bien, hein? Tu sais, dernièrement, ce qu'on les a fait à soi, on les a chassés. Il y avait un boutiquier parmi lesquels qui a acheté un terrain. Quand les vrais enfants du monsieur sont venus, quand les vrais enfants du monsieur sont arrivés, agent public, on a chassé le monsieur. Ce n'est pas une question on de l'a chassé. On vous fait comprendre juste notre état d'esprit en ce qui vous concerne. Donc c'est pour vous faire comprendre. Ça n'a rien à voir avec la haine. Chez vous. Tu comprends la vous là-bas. N'êtes pas chez vous. Ça n'a rien à voir. Enlevez-vous ça dans la tête que nous, Élise, vous êtes. Je ne vous ai pas. Je vous fais juste comprendre mon état d'esprit et l'état d'esprit de beaucoup de gens. Allez investir chez vous. Voilà ce qu'on vous dit ici, en direct. Allez investir chez vous à l'ouest. Mmh. Investissez à l'ouest. Mmh. Si vous voyez même les écarts là-bas, chassez-les. Mmh. Oui, je suis d'accord. Mmh. Oui, je suis d'accord. Les écarts qui sont à l'ouest, là, il faut les chasser. Oui. Mais je vous dis que si le Cameroun prend un jour, vous allez souffrir. Vos immeubles là, vous allez les porter sur la tête. Vous allez faire comment avec. Il y a plein de Bamilékés qui tiennent déjà le discours là. Vous allez faire comment avec? Vous allez les porter sur la tête? Parce que tout ce qu'il y a dans mon village. J'aime les Bamilékés qui tiennent le discours, qui demandent aux Bamilékés d'aller construire chez eux. Je vais seulement mettre le feu sur ça et vous n'allez rien faire. Je suis avec vous, mes frères Bamous. Vous qui demandez aux Bamilékés d'aller construire chez eux. Ce qui s'est passé à Saint Mélan. Je suis avec vous. On a cassé vos magasins. Vous allez faire quoi? Rien. J'ai suivi, c'est parce que je n'avais pas enregistré la vidéo du monsieur là aussi. Le monsieur là disait au peuple Bamileke, ses frères et ses que arrêtez. Après tous les inquallons ont raison de vous dire ça. Allez construire à l'ouest. Allez rendre l'ouest de Dubaï. Allez construire. Quand vous construisez chez les gens, vous construisez chez les gens. C'est chez vous. C'est un Bamileke qui parlait comme ça. Hein? Ce n'était pas un Yaoundé. Hein? Ce n'était pas un Yaoundé. Je disais que le père s'y a raison. Ramenez les vôtres. Il a raison. On dit que la semaine dans vos villages, il n'y a personne. La semaine, il n'y a personne. Il n'y a que les vieux. Dès jeudi, le jeudi là, comme il y a beaucoup qui sont maintenant dans les églises réveillées. Hein? Dès jeudi, il faut voir comment les agences de transport sont pleines. Plein, direction les funérailles. Vous avez déjà vu ça où?
avez déjà vu ça où? Vous avez trop mis le cœur sur les terres des gens. Vous avez trop mis le cœur sur les terres des gens. Vous avez vraiment dit que oui, comme j'ai conçu ici, c'est chez moi ici. Bizarrement, on ne vous enterre pas à Yaoundé. Beaucoup maintenant, on les enterre. Certains, on les enterre à Yaoundé. Beaucoup. Ceux qu'on enterre à Yaoundé, les Bamlékas qu'on enterre à Yaoundé, là, c'est parce que chez eux, ils ne sont toyom. Ils ne sont toyom chez eux. Obligés de les enterrer à Yaoundé. Hein? Chez vous, c'est le désert. Vous faites comment comme ça? Mais vous êtes les plus riches. Soyez fiers. Adama. Mon voisin Ayos. Il est d'ailleurs, c'est un jeune petit, c'est un jeune. Il est quoi? Il est Bamoun. C'est un jeune Bamoun. Moi, je ne sais même pas. Soit il est Bamoun, soit il est anglophone, je ne sais pas. Le petit jeune, c'est un jeune couple. Hein? Ils doivent avoir 28 ans, en tout cas, c'est 32 ans. Je suis arrivé au Cameroun passer les vacances. C'est mon voisin comme ça. Sa fille, sa petite fille de 6 ans est morte. Elle est décédée, paix à son âme. Une petite gamine qui jouait là dans ma cour avec les autres enfants. Toute la nuit, les gens là ont roulé toute la nuit pour aller enterrer l'enfant là à l'ouest. Une petite fille comme ça là. Toute la nuit, ils ont roulé pour aller enterrer la petite fille là à l'ouest. Quand ils sont rentrés, je suis parti pour les assister. Je leur ai dit que, mais, vous avez acheté ici, non? Mais pourquoi ne pas enterrer la petite ici? Je dis que non. On peut enterrer chez nous. On a quand même un chez nous. Je dis que, ah bon? Donc, tu es conscient que ce n'est pas chez toi ici? Je dis, oui, non, ma mère. C'est l'aventure qui nous envoie ici. Moi, je reste ici le temps que je vais rester. Dès que je suis bien chez moi, moi, je rentre. Je suis parti enterrer ma fille chez moi. J'ai un chez moi. Je suis restée comme ça, j'ai vu le raisonnement de l'enfant là. Aujourd'hui, le jeune là, avec sa femme, ils sont en train de vendre tout ce qu'ils ont construit à Yos. À pratiquement 16 millions. Parce qu'ils ont acheté la terre, ils ont bâti, ils ont fait les locations et tout. Maintenant, ils veulent rentrer. À l'heure que je vous parle, ils sont en train de vendre tout. Et c'est où j'ai compris pourquoi ils n'ont pas enterré l'enfant là, là. Parce qu'ils ne pouvaient pas laisser le cadavre de leur enfant là et après rentrer. Si moi j'avais l'argent, j'achetais ça. Si moi j'avais l'argent, j'achetais. Je lui disais que rentre. Voilà un jeune. Je vous dis qu'ils n'ont pas 35 ans. C'est un petit couple. Ce sont mes voisins. Ils sont conscients que ce n'est pas chez eux. Tôt ou tard, ils vont rentrer. Et ils sont en train de rentrer. Je suis allée les assister. Mais c'est vrai, non, Élise? Quand les gens sont en Amérique, quand les gens sont en Europe, à un moment donné, tu vas rentrer chez toi. On est toujours mieux chez soi. Ça, c'est ce qui est ça. En tout cas, dites-vous que ce que vous avez semé, hein, on ne fait pas. Vous allez récolter ça. Parce que tout le reste du Cameroun... Ce que vous avez semé, on fait déjà pareil. Et ça ne chauffe pas. Pourquoi c'est vous qui pleurez trop? Quand c'est vous qui nous faites, est-ce qu'on pleure? On pleure quand c'est vous. Nous, on ne pleure pas. On se dit qu'ok. Mais dès que nous, on retorque, ça éveille une certaine colère en vous. On vous a dit, même ici en Europe, on a la chance qu'on investit ici en Europe. Tu investis, tu achètes une maison ici, tu es conscient que demain ou après-demain, tu peux vendre. Au pays, beaucoup de maisons que vous avez construites, vous allez vendre à qui? Vous allez vendre à qui? Il y a des maisons au Cameroun, vous allez vendre des maisons à des centaines de millions d'euros. Qui va acheter? Qui? Donc vous êtes coincé là? Obligé de faire avec nous. D'autant que c'est encore le temps de faire avec nous. On dit chez nous qu'on ne meurt pas la dame Jeanne d'eau où on jette les cailloux. C'est vous qui faites du luxe dans nos villages et c'est vous qui voulez encore nous chier dessus. Vous voulez à tout prix vous voulez nous soumettre. Même dans notre pauvreté, vous ne pouvez pas nous soumettre. Même dans notre pauvreté. Moi, je suis alors, hein,
Les gens qu'on dit que les enfants métis que vous êtes en train de parler, que les enfants métis là. Je suis comme vos grands-pères et vos grands-mères de l'époque là. Que chacun épouse sa frère, son frère et chacun épouse sa soeur. Moi, je suis pour le non-mélange. Ça donne le mal de tête. Ça donne le mal de tête. Vous allez voir que ces enfants sont toujours malheureux. Les enfants mélangés là sont toujours, la plupart sont malheureux, ils sont dérangés. Rejetés même. Rejetés. Est-ce que tu sais que quand tu es bamileke, pour eux, ils ne te considèrent pas que tu es bami. Hein? Ah ça. Tu sais ça. Tu vois toujours, regarde, même dans la basse là, quand ils commencent à faire des problèmes, tu vas toujours entendre que Sandy de Boston est boulou. On rappelle ses origines. Oui, on lui fait qu'on, alors que son père est bami. Alors que son père est bami, juste pourquoi? Merci, parce qu'elle a un mélange. Elle a un mélange et on lui fait, à chaque fois, on lui fait comprendre que non, elle est traite. Parce qu'elle est boulou. Alors qu'elle est boulou bamileke. Pourquoi vous ne dites pas qu'elle est boulou en même temps qu'elle est bamileke? Mais vous allez toujours entendre, il y a toujours, non, c'est une boulou. C'est une boulou. En tout cas, c'est toujours vous là, on vous maîtrise déjà. Oh. Moi, je dis merci à papa. Merci. Parce que tu nous chaque as dit. Chaque personne qui va demander que chacun se soit en tant que mari, je vais le supporter. Mais voilà. Après 2018, là, on ne dort plus. On vous ai dit plus. Une chose que, comme vous dites que l'inqua, comme vous élevez vos enfants en disant que l'inqua. Sachez que chez nous aussi, on nous élève en disant que un bamileke jamais au pouvoir, un bamileke jamais au pouvoir, un bamileke jamais. C'est dans notre tête, dans nos cases quelque part là. On est prêt à ce que le titre de président là retourne au nord. Que de donner un bamileke. C'est dans notre tête. Élise, moi quand je l'ai dit que quand je dis. Quand ils sont en direct, je dis que notre futur président, c'est Cabral. Non, pas Cabral. Cabral ne peut pas être président. Ah bon, mais c'est Kamtoto qui peut être président. Et moi, j'appelle le reste du Cameroun. Le reste du Cameroun, ouvrez les yeux. Quand vous irez voter, votez un couac. Jamais voter un bamileke. Parce que si vous votez un bamileke. Qui va même? Est-ce que tu as même besoin? Tu n'as pas besoin de le dire. C'est dans notre cerveau que. Oh, grand, jamais un bamileke. Ils seront toujours des Ntinda. Ils seront Ntinda de la République. Ils seront toujours des Ntinda. Ils seront toujours des racoleurs. Ils seront toujours des fouteurs de merde comme ils ont fait avec l'histoire d'Amugubelinga, Martinez, Zogo et tout ce qui se passe là. Ils seront toujours des racoleurs, des Ntinda. Mais eux, là, dans le siège suprême, jamais, comme vous apprenez à vos enfants à détester le roi, c'est comme ça que nous, on nous apprend aussi depuis la plus tendre enfance. Un bamileke, jamais, au grand jamais. Je dis bien qu'au grand jamais. Au président, au Cameroun. La présidente va toujours rester quoi. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Est-ce que vous en dites? Vous pouvez tout être au Cameroun. Vous pouvez tout être au Cameroun. Premier ministre, ou deuxième ministre, ou troisième ministre, ou cinquième ministre, ou sans. Votez Cabral, Bibi. Votez Cabral. Votez votre frère, quoi. Ne votez jamais. Ma soeur, on est déjà aux élections. Donc, tu vas supporter Cabral, Bibi. Ne votez jamais. Borian Jong me doué. Borian Jong me doué. Ne les votez jamais. Jamais, les quoi, réveillez-vous. Ah, tu parles même comme ça, est-ce qu'on ignore? Ils peuvent nous flatter comme ils ont l'habitude de nous flatter, mais le siège suprême là, nous tous on est conscients que... Jamais. C'est déjà la campagne, donc toi tu as déjà ton candidat. Hein? Tu as oui. Déjà ton candidat, c'est Cabral Libi. Mon futur président, c'est Cabral Libi. Ah bon? Oui, c'est le futur président du Cameroun, c'est Cabral. Allez voter Cabral Libi. Ma soeur, je ne suis pas d'accord avec toi comme si commence l'air. Parce que je ne suis pas sûr que moi je peux voter Cabral Libi. Frambia. Ah, mon yam, 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 mon yam,
là pour Cabral Libi. Bien sûr. Bien sûr. Mais moi, je ne savais pas que pour toi, c'était Cabral. Non, non, non. Je dis que n'importe quel quoi, voter seulement. N'importe quel quoi qui vient la voter seulement. Mais, Boré Andjongmoudoué, ne les votez pas. Ne les votez pas. Je dis que votez tout le reste d'un quoi. Mais, Boré Andjongmoudoué, ne votez pas. Les babilles. Parce qu'on votait tout le reste des quoi. En 2025, là, on va aller voter tout le reste des quoi. Hé, hey, ma soeur, tu m'as eu dans mon live aussi. Donc, toi, tu es avec Cabral. Hé, hé, hé. Ouvre Cabral, ouvre Camto. Hé, tu as glissé Cabral, dans ma candidat. 2025, encore moi, hein. Non, Ali, est-ce que tu disais que Cabral, sa femme est... Je sais, non, c'est une boue. On doit voter Cabral. La fille s'y m'a fini. Elle a glissé son candidat au passage. C'est ça. Je vous dis, en 2025, allez voter en couac. Et quand vous allez prendre vos bulletins de vote là, il faut savoir qui vous allez voter. Et voter seulement les quoi. Que les milliardaires votent aussi les milliardaires. Nous les pauvres, nous qui avons rien là, on va seulement voter en quoi. Ah ça, c'est dans notre cerveau. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Ils seront éternels racoleurs. Ntinda. À quoi? Elise, attends un peu. Tu te rends compte que si on prend le pouvoir là, on donne ça aux gens de Ndjamdoué. Tu crois que tu vas encore respirer? Ils vont venir t'asphyxier. J'ai dit qu'ils vont déménager de l'ouest, ils vont venir s'installer à Yaoundé, ils vont prendre Yaoundé, ils vont prendre Douala. C'est l'erreur à ne jamais faire. Et mettez ça dans la tête de vos enfants. Que vos enfants, vos arrière-petits-enfants, on doit seulement voter les couacs. Et laissez les milliardaires voter les milliardaires. Est-ce que le pauvre parle l'affaire des milliards? Les milliards, c'est pour eux. Nous, on ne parle pas de ça. Le pauvre parle seulement de 100 francs. Donc, en 2025, là, voilà ça que vous direz. 2025, allez voter les couacs. Ceux qui ont les oreilles, écoutez. Votez. D'abord, les maires, les mairies, ça a changé maintenant. Dans les mairies, déjà, des villes et des villages, maintenant, chaque maire doit être d'origine du village, l'enfant du village. Ce n'est plus comme à l'époque. Mais c'est ça. Tu n'as pas vu qu'ils ont boycotté Marc Atino parce que Marc Atino a dit que si tu es petit, il faut être maire à Yaoundé. Si tu es Douala, tu dois être maire à Douala. Mais si ce n'est pas elle. Ce n'est pas besoin qu'elle a dit. C'est dans la constitution camerounaise. C'est écrit. C'est écrit. Si tu veux être maire à Yos, il faut que tu sois un natif d'Ayos. Si tu veux être maire à Kounedina, tu dois être natif. C'est avant qu'on mettait n'importe qui et n'importe comment. C'est fini tout ça. Petit à petit, non, on prend l'autonomie. Les gens, je vois, les gens demandent le fédéralisme. Le fédéralisme, je ne me suis pas encore vraiment bien penché sur cette histoire de fédéralisme-là. Parce que le moment venu en 2025, là, il faudra d'abord que ceux qui pensent qu'ils sont plus intelligents que nous autres, les écarts-là. Votre histoire de fédéralisme-là, il faut que vous nous expliquiez d'abord bien ce que c'est. C'est quoi l'État fédéralisme? Est-ce que c'est comme j'entends en Amérique que chaque ville, ça gère ses biens. Si c'est comme ça, ça m'arrange. Les gens de l'Ouest vont aller gérer les biens de l'Ouest. Les gens du Centre vont gérer les biens. Non, ils vont voter, ils vont aller gérer les milliards. Comme eux, ils ont. Oui, comme ils ont beaucoup de milliards, nous on ne va pas. Nous on ne va pas là. Le problème n'est même pas. Mm-hmm.
Bon, on a duré normal. Hein. Tu m'as beaucoup aidé dans le dossier. Eh oui, parce que Boréa Dong me trouvait ne tout pour eux, rien pour les autres. Je t'ai dit que je voulais boire. Le seul maman, milliardaire. Ça me colle à la peau. Je suis venue ici. Ça me colle à la peau aujourd'hui. Le seul milliardaire qu'on a. Ça les fait mal. Ça les ronge. Que pourquoi ils connaissent les étangs qui n'ont rien là. Les étangs qui mangent, qui cassent la sève. Comment ils peuvent avoir un milliardaire? Il faut qu'on écrase. Qu'on écrase. Et nous, les étangs, on a dit que jamais. Tu as vu que jusque-là, le pape Paul s'est réveillé. Hein? Il a mis son nez dans cette histoire-là. Hein? Donc, beaucoup de gens qui pensent même que... Hein? Beaucoup de gens qui pensent... Beaucoup de gens... Quand il y en a beaucoup de gens qui pensent qu'à Moukoubelila est encore au cède parce qu'il est coupable. À Moukoubelila, sûrement, il est déjà au cède parce qu'on le garde d'abord. C'est comme ça. Pour sa vie. C'est pas autrement. Pourquoi les choses se calment d'abord? Comme ça et pas autrement. Tandis que la poule ne parle pas la chose des dents. La poule ne parle pas que j'aurai des dents. Non. La poule ne parle pas l'histoire des dents. Comme il y a quoi qui a trop souffert. Martinez, même, il savait qu'il n'avait pas de protection. Il allait toquer à la porte de notre le patriarche, tout malgré, au secours, sauve-moi. Donc, il y a un malin qui n'a pas boire sous le coulou. On dit, sauvez-moi. C'est ça. Sauvez-moi. Vous sauvez. Martinez, vous aurez maintenant dans la routière. Et que ça vous serve. Ma soeur précise bien que. Et que ça nous serve de leçon. Arrêtez d'être que des ça serve de leçon au reste des arrêtez de vous la utiliser. Le reste des états. Traître là. Que ça vous serve de leçon. Mm-hmm. Je vous dis que la poule ne parle pas l'histoire des états. Voilà ça que je vous parle. Mm-hmm. Voilà ça que je vous parle, vous les écans là, je vous parle ça, je vous dis ça ici en direct. Que la poule ne parle pas l'histoire de dents. La poule ne parle pas l'histoire de dents. Kouya Kouakia Zomso, Martinez Zogo avait intérêt à bien fermer sa bouche, ses yeux et penser à ses enfants. Que quand je ne serai plus là, voilà Rémi Ngwarongo. Il se fait déjà les 5 millions en direct. À cause de qui? À cause de ton dos. Sur ton dos, Martinez, là où tu es là-bas aujourd'hui, hein, tu es en train de voir, tu vois comment les gens se font des millions. Et tes enfants alors, est-ce que tu aimais vraiment tes enfants? Parce que si tu aimais tes enfants, tu n'allais pas parler comme tu parlais souvent là. Au jour d'aujourd'hui, tu sais de qui souffre? Il y a ta mère, il y a tes enfants. Parce que même ta femme, elle va encore aller gnoxer. Elle est jeune. Elle va t'oublier. Mais les seules personnes qui souffrent, ce sont tes enfants et ta maman qui t'a mise au monde. Voilà les seules personnes qui souffrent. Je te dis que voilà les seules personnes qui souffrent aujourd'hui. Parce que ta femme, elle est jeune. Elle ira encore en mariage et elle va t'oublier. C'est ça qui est ça. Donc il fallait que tu penses à ta maman. Il fallait que tu penses à tes enfants. Mais tu n'as pas pensé à eux. Tu as pensé à l'argent qu'on te donnait. Oui, Estelle, on a l'argent, utilisé. L'argent, c'est rien. On a l'argent, bien utilisé. L'argent, c'est rien. C'est ta vie. Ta vie est plus importante que l'argent. Martinez, je te parle. Je sais que tu es déjà mort. Mais les morts ne sont pas morts. Les morts sont avec nous. Tu écoutes là où tu es. Tu écoutes. On ne marie qu'à ma foi. Tu écoutes là où tu es aujourd'hui. Les seules personnes qui souffrent de ton départ, je te dis ça ici, Vora, même ta femme ne souffre pas. Parce que ta femme va aller refaire sa vie. Je te dis que il y a ta mère. Parce qu'il n'y a qu'une maman qui peut donner sa vie pour sauver la vie de son enfant. Donc il n'y a que ta mère et tes enfants. Voilà ces personnes. Et que tu n'as pas pensé à ces personnes-là. Parce que si tu avais pensé que tu as les enfants, si tu avais pensé que tu as une maman qui va rester souffrir, une maman qui ne va plus trouver sommeil, une maman qui ne va plus pouvoir manger, si tu avais pensé que tu as des enfants, tu allais leur dire que même si vous me donnez un milliard, même si vous me donnez un milliard, passez avec vos milliards, je ne veux pas. Parce que mes enfants ne vaut pas le milliard. Parce que ma maman ne vaut pas le milliard. Eh oui, Martinez,
même dans la pauvreté, on doit être fier comme l'homme Sawa. L'homme Sawa, même si tu as les milliards, pour lui, tu ne représentes rien. Pourquoi tu as pris l'argent que tu as mis devant? Pourquoi mon frère? Pourquoi mon fils? Parce que si tu avais pensé à ta pauvre mère qui ne trouve plus le sommeil parce que ta maman ne dort plus. Moi, je te le dis, là où tu es là-haut, tu regardes ta maman, tu vois comment ta maman souffre. Ta maman ne dort plus. Ta maman ne mange plus. Parce que je te parle, je suis mère. Je suis mère. Ta maman ne mange plus. Je te dis que depuis que tu t'es perdu, depuis le jour qu'on a signalé ta disparition, ta maman ne dormait plus. Ta maman ne dormait plus. Tes enfants ne dorment plus. Ta maman est dans l'angoisse. Ta maman est dans la souffrance. Ta maman souffre. Ta maman fait des cauchemars. Eh oui, c'est la seule personne qui fait des cauchemars. Ta maman, là où cette dame elle est au jour d'aujourd'hui, je n'aimerais pas être à sa place. Non. Parce qu'elle a une souffrance. Est-ce que tu sais que ta mère peut même avoir l'AVC? Elle tombe comme ça. À force de réfléchir. À force de ne plus dormir. Parce que tu penses que tu avais ton fils qui était déjà grand, qui avait déjà une vie, qui avait des enfants. Mais tu n'as pas pensé à tes enfants. Parce que si tu avais pensé à tes enfants, même si on te donnait, je dis, tous les milliards du monde, tu allais les dire que passer avec vos milliards. Mes enfants vaut mieux que vos milliards. Ma maman vaut mieux que vos milliards. Mais non, tu n'as pas pensé à ta mère. Tu n'as pas pensé à tes enfants. Tu as juste pensé à ta petite personne. Mmh. À ta petite personne. À ma business. On te retrouve de mon coin. On te retrouve de moi. On te a un chemin de si je savais. On t'a utilisé comme le prion. Mmh. On t'a utilisé. Pourquoi tu courais encore chez le patriarche que ton mari anglais n'a à voir le monde m'a protégé moi? Pourquoi? Parce qu'on veut même pas sentir le boudoué. On veut même pas boudou à ça. On veut même pas boudou à ça à Martinez. Ma kunkani, ayo ekarna, moi le loi, encore pour soigner. Encore pour soigner, oui. Ah, moi le loi, encore pour soigner. Moi le loi, encore pour soigner. Il voyait le mieux, oui. Il faut m'en parler trop. Il voyait le mieux, oui. Il faut m'en parler trop. A mon yongaria, il y a pas de loup. Yongala, il y a le coup de moment. Il a offert des loups. Et pas que vous indiquez, à la vie pour moi, il va tourner, oui. On va tourner à notre milieu, oui. Il va tourner à Martinez. Et, Bepelé, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est juste le toucher. Tu touches juste ça comme ça. L'argent, c'est rien. C'est rien. Si on donnait tout le dossier là, en banalité, il allait dire que rien, je ne suis pas là-dedans, j'aime ma vie. Moi, même si tu as le milliard devant moi, je ne te vois pas. Parce que l'argent ne représente rien pour moi. L'argent ne représente rien, Martinez. Mais je sais, toi-même tu sais là où tu es là-haut, parce que tu regardes ta maman. Et tu vois comment ta maman est dans une souffrance. Et tu vois comment ta mère ne dort plus depuis le jour de ta disparition. Depuis le jour qu'on a appelé ta mère, on a dit à ta mère que tu ne réponds plus au téléphone, que tu n'es pas rentré à la maison. Ta maman a commencé à faire des cauchemars. Ta maman ne dormait plus. Le cœur d'une maman, un homme moine, un homme moine. Ta maman peut même faire l'AVC. Voici, à force de réfléchir, un souci à nos entiers. À qui on est tiers? Tu n'as pas pensé à ta mère. Tu n'as pas pensé à ta mère. Tu as pensé à ta petite personne. Tu n'as pas pensé à ta maman. Comme un rat. On l'a utilisé. On t'a utilisé. Faut bien préciser la partie. On t'a utilisé. Pourquoi tu repartais chez le patriarche?
Pourquoi? Parce que women ont gagné là, aucun autant ligne rouge. On gagne. Avant Moros, chaque être humain a besoin d'un côté à carbone. Avant même, on va y aller, 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 on va y aller. Donc, j'appelle le peuple quoi ici là. J'appelle le peuple quoi en 2025, on doit voter Cabral Libi. Bonne journée et bon dimanche dans la paix du Christ. Amen. Bon dimanche. La femme, c'est avec Cabral Libi. À chacun son gâti. Oh, 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 oh. On va voter comme ça. Oh, moi aussi, je me laisse. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Non, on a fini. On finit la vidéo en rigolant. La honte, c'est un final. Bon dimanche à vous. On est ensemble. Là, c'est un long processus, c'est un long parcours. Mais on est ensemble. Comme les gens disent que la seule chose qui tout se passe que sur les réseaux sociaux, on accepte. Puisque c'est aussi sur les réseaux sociaux que le peuple écarré est agressé. C'est aussi sur les réseaux sociaux que le peuple écarré est lié. Donc, c'est normal qu'on se défend aussi que sur les réseaux sociaux. Mais je suis sûre que chacun d'entre nous a un petit coin de sa tête qui résonne une certaine indignité, comment je dis ça, indignité, une certaine colère. Parce qu'aucune tribu, je dis qu'aucune tribu ne peut accepter qu'on l'humilie de la sorte. Et tu restes là. On ne dit rien. En l'occurrence, nous les écrans. On ne dit rien parce que, au nom du vivre ensemble, lequel, comme c'est sur les réseaux sociaux, on combat alors sur les réseaux sociaux. Et ça ne choque pas. Et ça ne choque pas. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'on humilie les miens. On les traite de tous les noms d'oiseaux. Et je ne dois pas parler au nom du vivre ensemble. Quel vivre ensemble? Je suis d'accord avec le papa qui a parlé tout à l'heure que quand ça ne marche, chacun prend sa route. Bon dimanche, à bientôt.